Ich heiße Fabrice Ciglia. Ich bin Samuel, ich habe 17 Jahre alt. Ich heiße Juliette, ich bin 15 Jahre alt. Ich heiße Paula, ich wohne in Tiklana und studiere zweite Oberstufe im Bulgarische Udir. Quand je pense à l'Europe, le premier mot qui me vient en tête, c'est la fraternité. Das Wichtigste ist Demokratie. Ça va être tout d'abord vraiment le continent européen. La prima parola che mi viene in mente è libertà. Con el proyecto Urbilab hemos aprendido muchos derechos que no conocíamos y que dábamos por hecho perteneciendo a la Unión Europea. Alla conservazione dell'ambiente. Entro il 2050 l'Unione Europea vorrebbe ridurre di molto le emissioni. On s'en a beaucoup rigolé, parce qu'on est une classe vraiment soudée, on n'est pas beaucoup, donc on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé. Et on s'est aussi beaucoup amélioré dans certains aspects. Par exemple, à l'oral, on a dû faire des présentations en lien avec ce projet qui nous ont permis de vraiment nous améliorer. Was habt ihr im Kopf gehalten? Welche Wörter waren für euch wichtig? Demokratie. Freiheit. Gleichheit. Hemos visto proyectos que se han hecho en Chiclana con financiación de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿puedes decir? El tranvía que se ha inaugurado hace un mes y medio, ¿no? ¿Qué más? Las obras de la Alameda del Río también están financiadas, ¿no? Que no están completadas todavía. La limpieza del río. La limpieza del río. Pour moi, la valeur la plus importante de l'Union européenne, c'est de pouvoir circuler entre tous les pays comme on veut. Per noi sembra una cosa scontata, ma in realtà non è così scontato poter viaggiare di paese in paese in maniera così semplice. Basta avere comunque la carta d'identità. E quindi è una grande opportunità che ci è stata data questa, quella di essere liberi. Donc vraiment avant ce projet, je me sentais pas du tout comme un citoyen européen. Je ne voyais vraiment pas ce que l'Union européenne faisait directement en lien avec moi. Allora io onestamente non mi sento di appartenere a nessun luogo in particolare. Manchmal fühle ich mich Spanierin, oft fühle ich mich Andalusierin. Donc vraiment au début, je pensais que l'Union européenne c'était vraiment inutile entre guillemets, qu'il ne faisait rien de concret, c'était purement économique ou à la limite en cas pour avoir une armée en cas de guerre. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein europäisches Gefühl haben konnte, aber nachdem ich verstanden habe, wie wichtig unsere Zusammenarbeit ist, bin ich sehr dankbar, dass ich hier geboren wurde. Donc là, j'ai vraiment appris qu'en fait l'Union européenne faisait des actions pour les droits des hommes, pour l'écologie. Donc mon avis sur l'Union européenne s'est vraiment amélioré et j'ai vraiment un avis beaucoup plus positif maintenant sur l'Union européenne. Zum Glück habe ich viele Rechte und mein Leben ist viel einfacher als in anderen Ländern.